like, there she go. I be like, there she go. She can't stand these hoes. She don't even know. She the only one I want. She don't know she got me chasing. Salut à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien. Aujourd'hui, on assiste à un match des Pays-Bas exceptionnel, puisque on va dire quand même les Pays-Bas, une équipe un peu, on va dire pour moi, on va dire oui, ils sont quand même prêts pour passer le premier tour, parce que c'est très important de passer le premier tour. Les Pays-Bas sont passés à la première place. Est qualifié d'office, donc s'il perd un match, c'est pas grave s'il perd un match, mais bon, il peut faire un match nul ou pas, c'est dans cet Euro 2020 ou 2021. Ce que je peux dire, c'est que là, ils sont vraiment ils sont prêts défensivement. Pour moi, je pense qu'ils sont prêts à attaquer pour avoir les grosses équipes, que ce soit l'Angleterre, que ce soit l'Allemagne, tout, ils sont prêts. Mais bon, le problème des Pays-Bas, c'est que quand ils reçoivent une grosse équipe, c'est là que les difficultés arrivent, c'est là qu'ils n'arrivent pas, c'est là que ça coince. Donc je pense que si là ils sont prêts à jouer les grosses équipes, il faut qu'ils finissent leur phase de poule et après on verra la suite. Mais je pense que les Pays-Bas vont faire une belle Euro. Moi, j'ai à noter, c'est que Memphis Depay aujourd'hui a marqué, même si c'était son penalty, il a marqué. C'est très important que Memphis Depay marque. Et commence à lancer les Pays-Bas et l'équipe commence à être bien, bien prête. Je pense qu'il y a du potentiel dans l'équipe des Pays-Bas. Ils peuvent aller loin, ils peuvent quand même aller loin, mais après, ça dépend qu'ils vont recevoir par rapport au classement, par rapport à tout ça. Mais enfin, déjà bien qu'ils sont qualifiés. Après, s'ils vont pas jusqu'au bout, s'ils vont en quart de finale ou s'ils vont que en demi ou s'ils vont. Peu importe, mais après, c'est vrai que je vois pas les Pays-Bas aller en finale. Franchement, je vois pas. Après, s'ils y vont en finale, je serais surpris. Mais avec cette équipe, ils ont une équipe bien qui est défensivement, ça va, ils s'en sortent bien, c'est costaud. Là, ils ont su accélérer le jeu quand il fallait accélérer. C'est pas parce que c'est l'Autriche ou quoi, que c'est une petite équipe que bon, il faut pas jouer, il faut quand même accélérer, mettre le jeu et tout. Ils ont su construire leur jeu. Et puis voilà, cette victoire était tout à fait logique puisque c'était les favoris, hein. Y a rien à dire. C'était les favoris, les Pays-Bas, c'était pas l'Autriche ou quoi. Mais ce qui est bien, c'est que quand ils savent là où il faut gagner, les Pays-Bas gagnent. Mais après, à savoir qu'est-ce qui va se passer à la fin, si les Pays-Bas vont pouvoir aller ou en finale ou pas, je ne sais pas. Mais bon, moi je suis déjà bien content parce que moi, bon. Je ne vous cache pas de vous le dire que moi je suis un vrai fan des Pays-Bas. J'aime trop les Pays-Bas à l'époque des Gare Davids et tout ça. Bah après, mon nom c'est presque comme Davids parce que moi c'est David. Mais bon, des fois, je fais les tresses et tout, je ressemble un peu. Et quand on m'appelle Gare Davids, je suis tout content. Enfin, c'est une histoire que j'ai envie de raconter comme ça. Mais je suis content quand même que les Pays-Bas ont gagné parce que franchement. Il faut qu'ils se lancent et que bah, après, s'ils vont être éliminés après les phases de poule, c'est pas grave. Au moins, ils se sont qualifiés. Mais je ne les vois pas aller en finale. Je ne vois pas les Pays-Bas aller en finale. Je les vois aller loin, mais en finale, non, je ne les vois pas. Mais bon, on va voir ce que. Tout est possible dans le foot. Tout est possible. On verra ce qui va se passer. Et puis, franchement, je suis content qu'au moins ils se qualifient, même si après, ils sont éliminés dans les prochains tours. Mais au moins sortir de la phase de poule, c'est très important pour les Pays-Bas, puisqu'ils ont une bonne équipe. Et je pense que la Coupe du Monde, ils arriveront à se qualifier et puis aller loin en Coupe du Monde, ce sera très très bien. Mais bon, on verra, on n'en est pas là à la Coupe du Monde, on ira finir l'Euro 2020-21. Et puis voilà, bon, voilà, je suis content. Bon, la soirée s'est bien terminée. Bon, après, vous allez me dire, c'était une petite équipe, mais bon, c'est une équipe qui joue au foot, hein, enfin, c'est pas. C'est un pays quand même, c'est un grand pays qui joue au foot, avec des sélections, des sélectionneurs, des joueurs qui sont sélectionnés pour jouer. Bon, après, s'ils ne font pas les jeux, c'est leur problème. S'ils font les plots, ça c'est leur regard. Les Pays-Bas, ils ont fait leur match, c'est ça que je voulais retenir, moi. Que les Pays-Bas, ils ont fait leur match, ils ont gagné. Moi, c'est tout ce que j'ai à retenir. Maintenant, je peux aller dormir tranquille, parce que c'est important. Moi, j'aime bien les Pays-Bas. Mon rêve en faisant YouTube, franchement, je vous cache pas de vous le dire que mon rêve en faisant YouTube, c'est un jour d'aller à l'Ajax et savourer ce stade de l'Ajax que j'aimerais très. C'est un des rêves quand même. C'est pour ça que je me dis,
Je m'accroche dans les rêves parce que j'aime les Pays-Bas, oui, j'aime trop les Pays-Bas. Et un jour, je vais pouvoir réaliser certainement mon rêve, faire une vidéo dans le stade de l'Ajax d'Amsterdam, ça serait très très bien. Et puis voilà, sûrement un jour, je vais réussir à... Il faut s'accrocher quand on a un rêve, il faut s'accrocher, moi je m'accroche. Bon les amis, bon, j'arrête de parler. On se retrouve pour une prochaine vidéo, ça sera sûrement l'équipe de France qui va jouer. Contre, je sais même plus contre qui ils vont jouer, enfin bref, c'est un plus, c'est contre un petit pays. Donc je pense qu'il va avoir au moins 2 ou 3 buts. Bon, après voilà, on verra dans ce match-là. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et je ferai aussi une autre vidéo d'un colis que j'ai eu aussi, qui est arrivé depuis un moment. Certains qui me suivent peut-être savent c'est quel colis. Bon, je pense pas que tout le monde sait, mais c'est un colis, je ferai une vidéo de mon colis qui est arrivé. Un colis d'été, hein, enfin, c'est tout ce que j'ai à vous donner d'indice, c'est que c'est un colis que l'été j'achète souvent. Et l'été dernier, c'est un colis que j'ai acheté. Bon voilà, je ne vais pas vous dire. Si vous voyez les vidéos que j'ai fait l'été dernier quand j'étais en vacances, vous allez comprendre c'est de quoi il s'agit comme colis. Bon, on se retrouve pour la prochaine vidéo, moi je vais aller dormir, puisque voilà, je suis content, les Pays-Bas ils ont gagné, puis voilà. Allez, salut, on se retrouve pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas le petit pouce, le petit liker, les amis, c'est très important. Et je voudrais au moins dépasser les 20 likes, je suis gentil. 20 likes sur cette vidéo, c'est très important. Et puis, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Et vive la France et vive les Pays-Bas. Et bon, après, il y a la République tchèque aussi que j'aime bien. Les tchèques sont là, attention, il y a les tchèques, les Allemands, pas trop, mais bon. Allez, salut, les amis.